Monsieur Boutin, merci d'avoir fait votre demande Internet. Mon nom est Marc Desjardins chez Avantage Ford à Lille-Perrot et aujourd'hui nous allons parler du Explorer 2016 XLT. Comme vous pouvez remarquer, l'Explorer 2016 ont changé tout le devant, la calandre, les lumières, les fog lamps. Les Mac d'origine Ford avec un tread de pneus de 18 pouces. Vous constatez l'arrière qui a un hitch caché sous le bumper. Nous avons les sensors de recul. Nous avons l'aillon à commande manuel. Nous avons en arrière de la place en masse, 7 passagers. Baissons les bancs pour faire un 5 passagers. Nous avons une grande valise à l'arrière. L'autonomie d'essence avec le V6 3.5. Premier aperçu de l'intérieur, M. Boutin, du Explorer. Donc, nous pouvons constater à notre gauche les portes électriques, les miroirs électriques, les fenêtres électriques. Nous pouvons voir ici qu'il a le groupe 202A pour avoir le cuir à l'intérieur, le banc électronique, des contrôleurs sur le volant. Aperçu encore les contrôles sur les volants. L'autre côté, nous avons deux écrans de 4.2 pouces qui nous dit celui-là à gauche, là de mètre, combien il reste de gaz dans le véhicule. Celui-là à droite qui contrôle à main libre, dans le fond, la radio, la climatisation, le GPS, le téléphone. Ensuite, nous avons un écran de 8 pouces, MyFord Touch, écran tactile qui contrôle la même chose, air climatisé, radio, téléphone, navigation, en option bien sûr. Air climatisé, double zone pour le passager et pour le conducteur. Nous avons la transmission automatique 6 vitesses et le mode de conduite. Monsieur Boutin, c'est encore une fois Marc Desjardins chez Avantage Ford. Merci encore pour votre demande Internet. Je vous contacterai sous peu pour venir voir ce véhicule et vous donner un bon prix et un essai routier. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.